Je vais vous dire que ça.
sur le jeu. On est en sommet à la limite du hauteur. On n'a pas le droit de bouger à l'orteil. C'est pas une grande sanction. 10 secondes pour être au départ. Voilà, c'est parti. La douce mélodie. Philippe Tesson, ça a été touché un petit peu le talus, ça repart pour le châssis Camoto. Allez, Jérémy Magui, Jonathan Robillard, Jérôme Perret et Jonathan Lassina. On prend les mêmes et on recommence. Jonathan Lassina, ensuite Thomas Donné. Élico Gino à la bataille avec Cédric Fouet. Et Jérémy Magui dans le raccord de mort. Allez, la descente, ça nous revient. Jérémy Magui, Jonathan Robillard, Jérôme Bureau, Jonathan Da Silva. Là aussi, un trottoir se dessine aux avant-postes. Et ça fait plaisir de voir Jonathan Da Silva avec ce châssis à la baisse. Au contact des meilleurs. Et devant, Jonathan Robillard. À l'attaque, pour aller chercher Jérémy Magui. Allez, c'est Eric Dimonet, c'est Ludric Fuet, les deux. Le châssis de RC, ça sur celui-ci, une dose de freinage, on revient sur le même de tête. Jérémy Magui, le lien met le temps, Jérémy Magui, on est en poste. Dans le raccordement, Jonathan Robillard, c'est juste derrière. Freinage pour essayer de gagner une place qui est à la hauteur de Nicolas Dino. Allez, quatrième, on est en poste. Troisième, qui voudront être sur la première ligne de la demi-finale. C'est le tour des autres, au jeu de Magui. Quelques années de maîtrise pour pouvoir doter cette catégorie reine. Jérémy Magui, Jonathan Robillard, Jérôme Bureau et Jonathan Da Silva. Jonathan Lahaye, ensuite Thomas Donné. On va faire le pointage comme on l'a entendu. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est Jérémy Magui, Jonathan Robillard, Jérôme Bureau, le classe à 117 à la 3ème place. Jonathan Da Silva 4, Jonathan Da Silva 5, Thomas Donné 6, Antoine Le Bon 7, il me semble. Le châssis Singer, tout jaune. La deuxième ligne, attention, Jonathan Da Silva, il y en a plus d'attaquants. Allez, c'est Arnaud Da Silva qui a fait un démonstrateur. On va passer la tête. C'est parti avec Jonathan. Il va le passer le temps. Et tout par derrière, on a poussé Jérôme Bureau. Et Jean-Marie Jouvet qui passe à la corde, va se mettre à la 4ème position. Et lui aussi, Jean-Marie, servi à la distance avec Xavier Goulet pour prendre des points aujourd'hui. Et Jean-Marc Poussin à la deuxième place, lui aussi, qui est en train de réaliser un gros long week-end, Jean-Marc, aussi la traînée. Et à la troisième place, c'est Jérôme Bureau, 4 Jonathan Lehel, 5 Jean-Marie Goulet, 6 et Cédric Rivenet, 7 Jean-Marc Jardin, qui est en train de se passer final. Et Nicolas Gilles, qui est neuf, 10, Régaï Da Silva, 11, Johan Marine. Allez, Xavier Goulet, qui petit à petit est en train de creuser l'écart pour aller pour Sion. Le jeune qui est en main, champion de l'Est, le catégorie junior, sprint à l'élite 14. Il a le dernier, il a ce qui ne bouge pas vers la catégorie L. Et cette année, il se confirme vraiment, son vrai vrai potentiel. Et Jordan Michel, oui, c'est Jordan Michel,
mérite de Samuel Goulet. C'est un signe à la première place de l'Espagne aussi. À la télévision de la Lumière, on est juste ça. Il y a 4 pour la 7ème place. C'est hier. Et bien, comment qualifie-t-on sur la finale? À l'Espagne en balance. À la 8ème place. Thank you.
Allez.